Dévotion journalière. La foi apostolique. Lecture biblique, Jérémie chapitre 18, versets 1 à 23. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Jérémie chapitre 18, verset 6. Dieu a envoyé Jérémie dans la maison du potier, pour qu'il en tire une leçon. Nous pouvons imaginer ce qu'il y a vu, un potier et un morceau d'argile, sans forme, granuleux, laid. Nous pouvons également imaginer les étapes que le potier a suivies, pour fabriquer un récipient. La première chose que fait le potier est d'enlever les impuretés de l'argile, en la lavant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune particule étrangère. Tant que l'argile n'est pas propre, elle ne sert à rien. Ensuite, le potier pétrit, coupe et frappe l'argile sur sa table, la travaillant jusqu'à ce que la texture soit uniforme, et que les poches d'air aient disparu. S'il reste des bulles d'air dans l'argile, le pot explosera lors de la cuisson. Les morceaux d'argile récalcitrants doivent également être travaillés. Il ne s'agit pas de pierre, ou de gravillon, mais d'une partie de l'argile elle-même qui doit être ramollie, car si elle est laissée, elle apparaîtra lors de la phase finale, et gâchera l'aspect du pot. Après avoir préparé l'argile pour le façonnage, le potier place un monticule d'argile au centre de son tour. Pendant que le tour tourne, le potier exerce une pression constante, trempant fréquemment ses mains dans l'eau, pour que l'argile reste toujours humide et malléable. Une fois le pot formé, il doit être cuit pour être utilisable. Sous l'effet de la chaleur extrême nécessaire, pour rendre l'argile dure et durable, certaines pièces peuvent se fissurer ou exploser. Mais d'autres sortent du four sous la forme d'objets utiles, et beaux. Dieu montrait à Jérémie qu'il avait le droit de modeler son peuple, et les autres nations. Si le potier de l'époque de Jérémie était humain, ce n'est pas le cas de Dieu. Il a l'autorité et le pouvoir de prendre quelque chose d'inutile, plein de la crasse du péché et de la rébellion, et de le travailler jusqu'à ce qu'il devienne un objet de beauté. Cependant, contrairement à l'argile, le peuple de Juda avait le choix. Il pouvait continuer à résister à Dieu, ou se détourner de son mal et se repentir. Ce concept est encore vrai aujourd'hui. Chaque individu a le choix de recevoir la parole de Dieu, ou de la rejeter. Dieu est prêt à modeler la vie, qui lui est offerte. Il commence par éliminer le péché du cœur. Il continue ensuite en travaillant sur les imperfections du caractère. Il exerce une pression là où c'est nécessaire, modelant, façonnant et affinant, en ayant à l'esprit son objectif parfait. Si une personne résiste aux influences que Dieu permet d'exercer sur elle, elle entravera ce que Dieu essaie de faire de sa vie. Tout échec dans la formation d'un vase spirituel n'est imputable qu'à l'argile, car les voies de Dieu sont parfaites. Chaque chrétien sera confronté à des périodes de sa vie remplies de difficultés, de situations difficiles, voire de circonstances tragiques. Le feu de ces circonstances a pour but de le stabiliser, d'affiner sa nature, et de l'aider à pérenniser son caractère chrétien. Aujourd'hui, t'es-tu abandonné au potier? Le résultat final sera éternellement beau si tu le fais. Contexte. Ce chapitre, qui constitue la première partie du 8e sermon du prophète, parle des moyens souverains dont dispose Dieu, pour utiliser les nations à sa guise. Cette communication a probablement été faite durant les premières années du règne de Joachim. Pour transmettre le message de Dieu, Jérémie présente souvent ses prophéties à l'aide d'objets usuels, ou de concepts symboliques. Dans le texte d'aujourd'hui, Dieu ordonne à Jérémie de se rendre à la maison du potier, où le prophète reçoit un message. La fabrication de la poterie était courante à l'époque de Jérémie, et s'effectuait à l'aide de deux roues en pierre,
actionnée par le pied du potier, tandis que le potier façonnait le récipient avec ses mains. Alors que Jérémie regardait le potier former ce qui devait être un joli récipient, l'objet était soudain défectueux, et le potier recommençait. Cela illustre le fait que, par leur rébellion et leur désobéissance, les Israélites étaient devenus aussi ternes que l'argile. Dieu avait le pouvoir souverain de les refaire, mais ils devaient se soumettre à lui. Dieu voulait que le peuple juif soit malléable et enseignable entre ses mains, prêt à se conformer à ses normes. Il a le pouvoir et le droit souverain d'arracher, de démolir ou de détruire entièrement afin d'accomplir sa volonté parfaite. Il a averti le peuple d'écouter son message et de changer ses habitudes. S'il l'avait fait, ils auraient évité le jugement. Mais l'avertissement était que s'ils continuaient à faire le mal, ils seraient punis. Au verset 12, le peuple rejette les paroles de Jérémie. L'expression « Vierge d'Israël » souligne leur culpabilité en tant que nation choisie par Dieu, qui a négligemment refusé et oublié ses voies. Jérémie souligne l'absurdité de leurs actions et de leurs attitudes en les comparant au fait de quitter la fonte des neiges froides et pures du Liban, symbole de la vérité pure de Dieu, pour se contenter de quelque chose de bien inférieur, l'adoration de faux dieux. Même les nations païennes n'ont pas agi de la sorte, et Juda connaissait les instructions de Dieu. Par conséquent, leur pays deviendrait désolé, et un objet de mépris, sifflement, et le peuple juif serait dispersé. En raison de leur rejet violent des paroles de Jérémie, les habitants de Juda ont comploté, pour le présenter comme un faux prophète, lui ôtant ainsi toute crédibilité auprès de ceux qui l'avaient écouté. Ils ont même conspiré pour le tuer. En conséquence, dans les derniers versets du chapitre, Jérémie est au plus bas, et demande à Dieu de hâter le jugement contre eux. Regardez de plus près. 1. Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait, qui a déplu au Seigneur? 2. Pourquoi pensez-vous que Dieu a envoyé le prophète Jérémie dans la maison du potier? 3. Quels événements ou situations Dieu a-t-il utilisé pour provoquer des changements positifs en vous? Conclusion. Gardons à l'esprit que Dieu est le potier et que nous sommes l'argile. Si nous lui permettons d'agir à sa guise dans notre vie, le récipient qu'il façonne sera utilisé de façon magnifique pour honorer son nom. Bonne journée à vous.